Salut à toutes et à tous, c'est Okrad. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay découverte sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve sur le gameplay découverte de Valtillion Arc, Hero School Story 2. C'est de pire en pire. Ah vraiment un jour, les Anglais vont me tomber dessus et je pense qu'ils vont me faire mal. Vraiment, ils vont me faire du sale. Donc, Valtillion Arc Hero School Story 2, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un jeu de gestion de héros de RPG. Alors en fait vous allez gérer une académie et cette académie, c'est une académie de héros de RPG. Donc j'ai adoré le premier, vraiment, j'étais à deux doigts de le platiner, mais il y a un trophée que j'ai manqué, donc il me manque un seul trophée. Je l'avais fait en live à l'époque, donc pour ceux qui suivent depuis longtemps, bah voilà, vous le savez, c'était en live que j'avais fait ça. J'ai adoré, parce qu'on pouvait nommer les élèves qui arrivaient dans notre académie, j'avais fait n'importe quoi, évidemment il y avait des jeux de mots totalement foireux, c'était de gros moments de live, et là... Eh ben le 2 sort, ça y est, le 22 juin 2023 sort ce jeu, et ça, ça fait plaisir, sur un peu toutes les plateformes. Là aujourd'hui on est sur la version PlayStation 5, mais ça sort également sur Switch, Xbox, enfin bref, PC, partout. On va tout de suite faire lancer le jeu. Oui, je veux lancer une nouvelle partie. On va créer notre personnage, hop là, on va choisir notre emblème d'université. Oh, c'est pas mal ça. Ouais, quoique... Une épée, ça peut être bien aussi. Un phénix, j'aime bien le phénix. Et on va l'appeler... Okradus. La base. Hein. Académie. Ah bah. Il collait bien. À la française en plus. Okradus Académie. C'est parti. Alors, je vais pas lire. Parce que je pense que j'aurai pas le temps... Ça m'a l'air de passer un peu rapidement le texte, donc on va pas faire les fous. Et très clairement, hein, le premier, je l'avais vraiment adoré. Après, il faut savoir que c'est un jeu qui est proposé à 19€. Donc c'est pas un jeu très cher. 19€ sur console et 15€ sur PC. Donc voilà, c'est un petit jeu. Mais la partie gestion, à l'époque, j'avais tout simplement adoré. Même si les combats étaient répétitifs au bout d'un moment... J'avais trouvé ça trop cool, en fait, comme concept. Et là, bah, le 2, ouais, je l'attendais quand même pas mal. Je me suis dit, bon, il faut absolument que j'y joue. L'arrivée. Éliminer tous les ennemis sur le chemin. Donc là, ça va être certainement la partie tuto. Oh, c'est plus joli qu'à l'époque, dis donc. Ah, vous correspondez à la description de Sir Liavon. C'est vous qui êtes là pour diriger l'académie, alors. Je m'appelle Rodno, et on m'a demandé de vous escorter jusqu'à notre école, Magister. Ne vous inquiétez pas pour moi, je suis content d'avoir pu échapper au cours du matin. Vu que c'est vous qui dirigez, dites-moi où je dois aller. Vous pouvez me déplacer, ok, bon, voilà. Donc là, on va pouvoir se déplacer. Ok, vous pouvez voir la mini-carte, très pratique si vous voulez savoir où on est. Très bien. Donc là, jusque-là, c'est classique. Ok. Comme à l'époque. Mince, on dirait bien que ce monstre ne va pas nous laisser passer. Si ça vous... ça vous va si je lui mets une petite correction? Votre rôle n'est pas de vous battre, alors contentez-vous de regarder. Ok. Oh, mais c'est au tour par tour maintenant! Ah, le premier, il était en action RPG. D'accord. Ah, c'est bien ça. Alors, pendant votre tour, c'est vous qui décidez quels élèves doivent agir. Mais n'oubliez pas qu'un seul élève peut agir par tour. Vu que je suis le seul disponible, vous n'avez pas vraiment le choix. Très bien, Rodno. Bien. Donc attaque. On va attaquer. Boum. Le piou. Le poussin piou, évidemment. Ok. Vous voyez ces symboles rouges sous l'ennemi? Où ça? Ah oui, ok, ouais, j'ai vu. Ouais, mais t'es devant, Rodno. Donc c'est difficile à voir. Ils sont rouges parce que c'est un bouclier physique, mais n'oubliez pas qu'il existe d'autres types. Comme vous pouvez le voir, j'ai les mêmes symboles rouges, ce qui veut dire que mes attaques sont aussi physiques. Ok, oui, on voit bien son bouclier qui est rouge à Piu, et moi, mon épée qui est rouge. Ok, très bien, je comprends le principe. Hé ! C'est plutôt stylé d'être passé au tour par tour, en vrai. Pourquoi pas ? Ah, j'aime bien. Ça va changer du premier, du coup, c'est bien, parce que ils feront pas doublon dans ce cas-là. Si j'ai envie de faire plutôt la variante action RPG, bah je retourne sur le premier. Qui est toujours aussi efficace aujourd'hui, je trouve. Ah, celui-ci a l'air plus coriace que le précédent, vu qu'il a deux symboles de bouclier. Les boucliers doivent être brisés dans l'ordre, de droite à gauche.
On va lui montrer de quel bois on se chauffe. Alors attendez, de droite à gauche. Ah oui d'accord, je casse la défense et ensuite, ok, j'ai compris. Donc voilà, le premier reste encore aussi efficace. Après, le premier, il a un peu des graphismes smartphone, donc faut aimer. C'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait rebuté, puis finalement, en jouant au jeu, je me suis rendu compte que j'adorais quand même. Mais il faut passer outre un petit peu les graphismes smartphone. Là, c'est quand même beaucoup mieux, mais par contre, c'est la variante JRPG, quoi, on va dire. Donc voilà, pour ceux qui préfèrent action RPG, bah, le premier, c'est très bien. Et sinon, bah, le 2, c'est le taf, hein. De toute façon, à mon avis, on va vite passer au... On va vite passer, hop là, à la gestion, en fait, finalement. Paf. Donc là, c'est encore mon tour. Paf. Ça devait être le dernier. Notre académie est tout droit, ce qui veut dire que notre chouette petite aventure s'arrête là. On aurait peut-être dû prendre une route moins directe, comme ça j'aurais pu sécher un autre cours. Tu t'adresses au directeur de l'académie, là, et tu dis que tu veux sécher les cours? Non, mais ça va aller, Rodno? Ok, donc on gagne de l'or, ça a pas changé, hein. C'est comme dans le premier, c'est très cool. Ah ouais, c'est beaucoup plus joli qu'avant, hein. Dis donc. Heureusement, vous me direz. Ah, vous voilà. Ça veut dire que Rodno a bien fait son travail. Je me présente, je suis Liavon, le surintendant de cette académie. Désolé de ne pas être venu vous voir plus tôt, mais j'avais une affaire à régler. C'est vous qui dirigez cette académie maintenant. Mais avant de vous plonger dans vos tâches sans fin, il faut que vous vous familiarisez avec l'administration de votre école, magister. Commençons par les tâches. Elles vous donnent les objectifs que vous devez accomplir pour améliorer l'académie. Très bien. Vous pouvez consulter un rapide aperçu des tâches en cours en bas à gauche de votre écran. Certaines tâches ont une date limite, alors n'oubliez pas de vous en occuper à temps. Ici, vous pouvez voir la liste complète des tâches actives, terminées et échouées. En terminant des tâches, vous recevrez parfois des récompenses, mais elles font surtout partie de vos responsabilités à l'académie, alors n'oubliez pas de les réussir toutes, magister. J'allais vous présenter votre secrétaire, mais je ne la vois pas, vous devriez essayer de la trouver. Ok. Donc là, ici je peux... Oui, bah, 2 secondes. Donc faire pivoter la caméra. Voilà. Très bien. Zoom caméra. Ok. Trouver Eve près du portail d'entrée. Ok, elle est là. Donc on va cliquer dessus. Ah, c'est vous qui dirigez l'académie désormais. Enchanté, magister. Je m'appelle Eve, je suis votre secrétaire. Je vous fais visiter. Ici, vous pouvez consulter les détails principaux de l'académie, comme son nom, son niveau de prestige et... Ah bah non, c'est tout. Améliorer notre niveau de prestige nous donnera accès à de nombreux avantages, comme davantage de terrain. Il est toujours avisé de faire monter ce niveau autant que possible. Ah, et n'oubliez pas, ces deux là-haut. Nous commençons avec une réserve initiale d'or et d'arclite. Je sais que ce n'est pas beaucoup, mais les autorités valtyriennes attendent des académies qu'elles couvrent leurs propres dépenses de fonctionnement. L'or peut être utilisé pour ériger de nouveaux bâtiments, mener des recherches, inscrire des élèves à des nouveaux cours. Nous pouvons obtenir davantage d'or en accomplissant des quêtes et des corvées ou en exterminant des monstres dans la nature. Les arclites, quant à elles, viennent principalement des frais de scolarité des élèves qu'ils paient au début de chaque saison. Elles sont surtout utilisées pour entretenir nos bâtiments, mais elles sont aussi parfois nécessaires pour la recherche. Vous trouverez des outils pour gérer votre académie, n'oubliez pas de revenir aussi pour les découvrir. Vous gérez l'académie mois par mois. Ce qui fait que la plupart des choix que vous faites dans ces menus, comme l'organisation des plannings ou les changements d'efficacité des bâtiments, resteront jusqu'au mois suivant. D'accord. Lorsque vous aurez fait tout ce que vous voulez faire pour le mois, cliquez sur le bouton en bas, là, pour passer au mois suivant. N'oubliez pas que la saison change tous les 4 mois et que l'année change après 4 saisons. Je vais vous laisser explorer à votre guise pour que vous trouviez vos marques. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours consulter vos tâches si vous ne savez pas quoi faire. Ok, donc on va construire un gymnase, parce que c'est dans ma liste des tâches. Le gymnase, je le mettrais bien dans un coin un petit peu... Ah bah, à côté du dortoir, ça me paraît bien, non? Allez, on va construire un gymnase. Alors, il faut 5000, je les ai largement, et il faut 7 arclites pour l'entretien par mois. Donc c'est ok, j'ai 250... Mais faut faire attention parce que vous voyez, le mois suivant, j'en aurai que 22 d'Arclite. Donc faut pas que j'épuise ma réserve trop vite non plus, quoi. Donc là, c'est la partie gestion.
Et moi, sur le premier, c'est vraiment ce qui m'a plu. Donc j'espère vraiment que ce ne sont pas foirés là-dessus sur le deuxième. J'adorais ça. Alors c'était bien de partir en aventure et tout, hein, mais le gameplay était très répétitif finalement. Quand on part en aventure, c'est toujours la même chose. On combat des strums et on est tranquille. Bah là, c'est... Là, ça va être un peu pareil, je pense, mais au tour par tour, à moins qu'il y ait des surprises de ce côté-là, ce coup-ci. Mais la partie gestion était vraiment cool. On s'occupait de nos élèves, on les mettait sur des tâches particulières, mais il fallait faire attention à leur jauge de fatigue. Enfin, bref, c'était vraiment très très cool. Assigner Rodno à un entraînement physique. Alors, élève. Voici le menu élève. Vous pouvez y voir le nom de vos élèves, ok. Ici, leur maîtrise, physique, magie, divin... Artisterie. Ces chiffres augmenteront au fur et à mesure que les élèves étudient et terminent les cours. Vous pouvez voir ici leurs statistiques de combat. Ok. Voici l'endurance de votre élève. Voilà, c'est ça que je disais. Je disais la jauge de fatigue, mais c'est l'endurance. Ça, c'est pareil. Chaque fois que vous assignez vos élèves à une action, que ce soit le fait d'étudier ou de participer à une quête, cela leur coûtera de l'endurance. Alors surveillez-la bien. Voici combien votre élève paie pour ses frais de scolarité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les élèves s'acquittent de leurs frais de scolarité en Arclite au début de chaque mois. Ok. On peut leur mettre des compétences. Très bien. On peut en avoir que deux maximum. Tac. On peut promouvoir. Très bien. Alors, hop. Voici toutes les spécialités disponibles pour nos élèves. Les élèves peuvent être promus vers n'importe quelle spécialité à partir du moment où ils sont où ils ont satisfait aux exigences du cours. On va y arriver. Vous pouvez consulter les exigences de cours lorsque vous regardez la spécialité ici. Vous trouverez les cours eux-mêmes dans les arbres d'apprentissage du menu planning. Changer la spécialité d'un élève change sa maîtrise principale ainsi que ses statistiques de combat. Les compétences déjà apprises ou équipées seront conservées. Une fois que vous avez décidé la nouvelle spécialité que vous voulez donner à un élève et que ce dernier a satisfait aux exigences, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton promouvoir. Très bien. Bon là pour l'instant ça ne sera pas la peine, pour l'instant il est chevalier, mais on pourra faire avec d'autres élèves, des mages, des clercs, des artistes. Alors qu'est-ce que ça fait? Ces bricoleurs de machine art ont plus d'un tour dans leur saga. Ah, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, mixte après hein, vous voyez, donc c'est physique magie, physique divin, physique artisterie. Magie divin, magie artisterie, voilà, il y a de quoi faire, avancer, il y a du paladin, il y a de l'invocateur, il y a du médica, il y a de l'artilleur. C'est très très intéressant. Pour l'instant, je vais voir s'il a... Ah bah oui, hop, il a une compétence spéciale, il n'en aura pas deux, mais c'est cool. Donc, est-ce que... Non, c'est pas ici, je pense que je vais pouvoir faire ça. Planning peut-être ? Oui, voilà. Bienvenue dans le menu planning, c'est ici que vous pourrez gérer l'endurance de vos élèves. Une fois qu'elle est épuisée, vous êtes obligé de les laisser se reposer pendant un mois. Pendant un mois ? Ouais. Sinon, toute cette endurance peut être mise à profit en leur assignant un cours. Alors... Vous voyez cette espèce d'arbre avec plusieurs nœuds et branches, c'est l'arbre d'apprentissage. Et les différents nœuds représentent les cours que l'élève peut suivre. Quand un élève termine un cours, les cours suivants seront débloqués. Ok. Les objectifs en cours, donc lui, il faut qu'il gagne des stats physiques. Ça va me coûter 500 quand même, hein. C'est pas rien. Ok. Alors on va faire entraînement physique. Hop. Donc ça, c'est good. Hop là. Et là, il est en train d'étudier. Lancez une recherche sur dortoir 1, construisez un laboratoire, passez au mois suivant, activez la recherche dortoir 1. Je vais mettre un labo. Est-ce que je peux? Oui. 10 000! C'est cher, hein? On va peut-être attendre un peu, hein? Ah, je vais peut-être attendre un petit peu. Hein. Et la recherche sur dortoir, c'est combien? Ouais, ok. Comment je... Ah oui, recherche, c'est là. Recherche, ok. Bâtiment, dortoir. Ok. 200! Ah ouais, non, c'est mort. Non, c'est mort, ça me coûte 200, je vais pas avoir assez pour les entretenir après. Pour le moment, c'est mort. Mais, du coup, peut-être que le laboratoire, ça peut se jouer. Ça fait 10 points de recherche. Ah, ça me fait un peu peur, là. Hein. Est-ce que je... Ah ouais, 24, un marché. Parce que j'allais dire, sinon, je construis un marché, ça me rapporte de l'or. Mais le problème, c'est que ça me coûte trop d'arclite, quoi. Hmm.
Bon là je pense que pour l'instant on est un petit peu bloqué sur ce niveau là. Bah écoutez, on va faire un recherche académie. On peut faire des recherches là-dessus. Réduit les coûts de recherche en or. Ça peut être pas mal. Ça va me coûter 15 000, mais si après ça me réduit, et puis ça me coûte 0 arclite, donc ça, je peux carrément le faire. De ce côté, vous pouvez voir que le projet a été placé dans la liste d'attente. Quand un projet est terminé, le suivant se lance. Ok. Bon, là, on est bon. Au moins, on sera tranquille avec ça. Et là, ce sera quoi? Ah ouais, donc plus tard, quand j'aurai pas mal d'arclite, je pourrai réduire le coût en arclite. Donc ça, c'est cool. Ok. Bon, bah là, pour l'instant, on va faire ça. Alors, j'ai plus beaucoup d'argent, mais je pense qu'on peut en récupérer avec les quêtes, donc ça peut être ok. Écoutez, on va passer au mois suivant. Voilà. Là, on est en hiver 1300, hein. Un nouveau mois commence. Quel meilleur moyen de démarrer qu'en consultant le résumé mensuel pour le mois écoulé? Ok. Bon, pour l'instant, lui, il a pris un petit peu en attaque physique. Il a pris 10 points d'attaque physique en un mois. Donc là, s'il veut atteindre son prime, on va dire, là, il faudra attendre le mois prochain. Très bien. Alors là, j'ai récolté un peu d'arclite. Joyeux anniversaire, ça fait un mois que vous êtes à la tête de l'académie. N'oubliez pas que les cours et les recherches prennent parfois plusieurs mois, alors surveillez bien leur progression. Ah! Un événement requiert votre attention. Objet trouvé. Un élève a trouvé un sac d'or, il vous demande ce qu'il doit en faire. Oh! Certains événements auront des conséquences si vous ne répondez pas, alors ne les manquez pas, ok. Ouais, ça se trouve... Ah ouais, il y a 5000 pièces d'or. Ça m'aiderait bien, mais en même temps... Non, je vais l'annoncer pour trouver le propriétaire. Le propriétaire du sac s'est fait connaître. Les élèves vous félicitent pour avoir pris la bonne décision. Ouh. Alors, les élèves sont motivés, c'est bien. Lui, il étudie. Mission, est-ce qu'il y a des missions? Non, pas pour le moment. Succès. Éliminer 50 monstres. Ah oui, d'accord. Ça, j'avais oublié ça. Je sais pas si c'était présent dans le premier ou pas. Et là, vous voyez, si j'élimine 50 monstres, j'aurai 5000 or, 200 monstres, 15000 or et 500 gemmes. Ouais, ok, bon, ça va le faire, ça. Il y a pas mal de... Ouh, il y a de quoi faire. Ah, bah, regardez. Là, j'ai obtenu celui-là. Cool. 200 gemmes, bam. Alors, j'espère que ça fera 200 gemmes aussi sur cette vidéo. Non, plus sérieusement, j'aimerais beaucoup vous faire au moins le premier un jour. En termes de let's play, ça me plairait beaucoup, mais je sais pas si des let's play sur ce type de jeu vous intéresseraient, en tout cas sur la chaîne, je suis pas certain. Donc c'est pour ça que jusqu'à maintenant j'ai jamais fait ce type de jeu. Après je suis pas non plus le plus grand expert, donc je me dis, est-ce que voir un gros noob sur ce type de jeu, c'est-à-dire des jeux de gestion, etc., ça vous intéresserait également? J'en suis pas certain non plus. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si jamais vous vous dites, bah si, moi franchement, de temps en temps, un petit épisode, je regarderai bien. Bah je verrai ce que je peux faire. Une fois que mon deuxième enfant sera né. Parce que pour l'instant, pas de let's play tant qu'il n'y a pas de naissance. C'est trop risqué. Alors, est-ce que je peux faire une recherche sur dortoir 1? Je crois que ça coûtait trop cher. Hein. Et là, c'est toujours pas... Ah, dis donc. Là, ça coûte 200 et 5000. En vrai, je pourrais, mais... Faut attendre que la recherche se fasse, en fait. Et le labo, il coûtait cher, de mémoire. 10 000, ouais. Je les ai, hein, mais j'ai peur de plus avoir assez d'or pour faire autre chose derrière, donc... on va attendre un petit peu. On va peut-être passer au mois suivant. Ah ! Magister, je pense qu'il est temps que nos élèves se lancent dans une quête. Vous avez peut-être remarqué que vous avez désormais accès aux quêtes dans le menu à gauche. Vous ne pouvez envoyer vos élèves faire qu'une quête par mois, alors choisissez bien. Bon, là, il n'y en a qu'une, donc ça devrait le faire. Choisir une quête. Et là, on va prendre évidemment Rodno parce que c'est le seul élève. Et ben c'est parti. Ah, franchement, j'aime bien, hein, j'aime bien. Le retour des Piou. Ça me plaît beaucoup.
En haut à droite, vous pouvez voir le nombre de plumes de retour qui servent à téléporter entre les campements activés. En bas à gauche sont affichés les objectifs de la quête en cours, atteignez-les tous et revenez à l'académie pour que la quête soit réussie. Très bien. Hop. Ouah, il est balèze lui là-bas. Bah, il a l'air. Peut-être pas me le friter. Ouh! Ouais, bah attendez. Je vais d'abord m'attaquer au Piu, je vais voir les niveaux de ces derniers ici. Hop! Bon, là, il y en a qu'un, c'est ok. Ça devrait le faire. Rodno m'a dit que vous aviez déjà appris les bases du combat, mais j'aimerais ajouter une chose, les compétences. Si vous avez déjà donné un coup violent à Rodno, vous pouvez le sélectionner et l'utiliser contre une cible. Ok. Bah là, non, je vais pas l'utiliser pour le moment. Ou alors. Est-ce que c'était suffisant, finalement? Bon, ça devrait le faire, je pense, niveau quête. Oh, il y a un coffre là-bas sur la plage. J'y vais. Oh, deux même. Bam. Bam. Ça me donne quand même un certain avantage, on va pas se le cacher. Ah, lui, il y a trois boucliers, carrément. À mon avis, il doit taper fort, celui-là. On va se méfier quand même. Hein? Ouais, 50 quand même, hein. Ça tape. Et... Bam! Défense cassée. J'attaque. Voilà, on est bien. Ok! On récolte, hein. On récolte un petit peu de blé quand même. Hop! Paf! Alors, ouh! Celui à droite, là, il m'a l'air costaud. Je vais faire un coup violent pour les deux. Lancer une compétence coûtera des PA, qui sont partagés par tous les élèves. Chaque élève contribue une certaine quantité de PA à la fête, hein, en fonction de ses compétences et de sa majeure. Quoi? Le montant total que vous avez actuellement peut être vu sur le cercle en haut à droite. J'ai pas tout compris, mais c'est pas grave. Oh, 70, là, ça commence à cogner un peu. Il l'a loupé, mais l'abruti. Du coup, je vais encore me faire frapper pour rien. Ah. Et là, je pourrais pas briser. Parce que c'est une compétence que je n'ai pas. Du bleu comme ça, je n'ai pas du tout. Donc là, va falloir y aller à l'usure. Ça va être long. Bon, là, ça devrait le faire. Non, il lui reste 18. Vraiment. Ah, c'était un peu plus dur là. Super, tous les objectifs de la quête sont atteints. Il ne vous reste plus qu'à amener Rodno à un portail pour le faire revenir à l'académie. Ok. Vous avez peut-être remarqué les barrières rouges infranchissables dans la zone. Elles disparaissent après que vous avez éliminé un certain nombre de monstres ou après avoir réussi certaines quêtes. Ok. Donc là, vous voyez, il en reste sur la carte, il reste des ennemis. Et je pense qu'on, si on veut, on peut très très bien continuer à tout clean, histoire de récolter un maximum de choses. Bon là, Rodno, il est pas en très bon état, donc ça va être un peu compliqué. Alors attendez, est-ce que je peux avoir un menu? Ah. Aucun campement actif. Est-ce qu'il n'y a pas un truc de... Parce que là, il est pas bien, mon pépère, là. Faudrait que je puisse me soigner. Activer au moins un campement dans la zone. Alors attendez. Est-ce qu'on peut activer un campement? Parce que moi j'aimerais bien du coup. J'aimerais bien clean la zone en fait. Parce que là je me farcirais bien celui-là. Paf, comme ça. Bon, on verra bien si mon élève meurt. Voilà, c'est tout. C'est tout quoi. Et si je fuis, est-ce que ça me... On va essayer. Est-ce que ça me remet de la vie? Parce que si ça me remet de la vie, c'est ok. Ah bah voilà. Ah bah voilà, bon, on va faire ça. On va fuir, on va y retourner. De toute façon, j'ai trois plumes, donc... Et là, ça sera pas la même issue de combat, là. Ah, ça m'a même remis les AP. Oh, parfait, ça. C'est bon, ça. Oh, et puis lui, il m'a loupé. Alors là, c'est encore meilleur. Tout ce que j'aime. Alors, hop, je vais essayer de m'en faire un maximum.
Ça a l'air costaud tout ça. Paf. Lui fait mal. Lui fait un peu moins mal. Paf. Je vais faire un coup violent sur les deux. Voilà. Après, moi, j'ai pas encore de bleu, donc je peux pas leur briser leur défense avec ça. Ce qui est un peu dommage, c'est ça qui me fait perdre beaucoup de vie, finalement. Il me faudrait plusieurs élèves dans l'académie, et là, pour l'instant, je suis encore un peu faible. Puis si, en plus, il loupe ses attaques, on n'est pas clair. Mais je pense qu'on va faire ça. On va essayer de recruter d'autres élèves en premier, et on reviendra ici, peut-être, par la suite. Je sais pas si on peut y revenir, je suppose que oui. Ça me paraîtrait plutôt logique. Comme ça, au moins, on revient avec plusieurs élèves et l'issue du combat ne sera pas la même, hein, évidemment. Est-ce qu'il y a un trésor qui traîne ici? Pas l'impression. Non, il n'y a rien du tout. Hop. Ok. Hop, on dézoome. Et puis, bah, on va y aller. On va retourner à l'académie. Hein. On reviendra plus tard. Je vois qu'il y a des coffres là-bas, mais à mon avis, il faut déjà être un peu plus élevé. Ah, d'accord. Ah bah oui, bah, on peut carrément revenir, hein. Portail de l'académie. Allez, quête terminée. C'est tout bon pour nous. Pour l'instant, je suis plutôt convaincu hein, par ce nouvel épisode. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. C'est vraiment une toute petite équipe en plus qui bosse là-dessus. Donc forcément, ça fait plaisir. Ah, bah niveau supérieur, parfait. Il est où, Rodno? Statut inactif. Oh, bah, parfait, très très bien. Par contre, le menu de recherche, ça ne bouge pas. C'est trop bizarre. Je suis toujours à zéro. Pourquoi je suis toujours à zéro? Très étrange. Bon, bah écoutez, on va pas faire la recherche dortoir tout de suite. Parce que bah, ça n'avance pas. On va faire... Ah. On peut pas recruter d'autres élèves, là? Non? Pas pour le moment, j'ai l'impression. Ok. Diplomatie à quelque chose? Ah, bien que ce soit une partie importante dans leur éducation, envoyer des élèves à l'aventure comporte des dangers, surtout lorsque le niveau du donjon qu'ils explorent a augmenté. Vous pouvez consulter le niveau de menace de chaque donjon ici. En général, le niveau augmente au bout de quelques saisons, alors surveillez-le bien. Vous pouvez également voir le niveau de menace sur la carte du monde. Comme vous pouvez le constater, chaque donjon est contrôlé par une faction valtyrienne différente. Pour faire baisser le niveau de menace du donjon d'une faction, offrez-lui un soutien financier, suite à quoi elle acceptera volontiers de le rendre plus sûr. Ok. Cependant, vos relations avec les factions dépendent de plus que le niveau de menace des donjons. Ok. Alors cette zone montre les relations entre votre académie et chaque faction. Chaque faction offre des avantages différents lorsque vous vous alliez avec elle, comme de meilleures récompenses de quête, des frais de scolarité plus élevés ou des gains de maîtrise plus importants. Vous pouvez améliorer vos relations avec chaque faction en diplômant davantage d'élèves de cette faction. D'accord. En choisissant des résultats d'événements qui la favorisent, en maintenant le niveau de menace de ces donjons ou en terminant des missions. Très bien. Alors je suis neutre, neutre, neutre et neutre. Ok, bon, pour l'instant, d'accord. Ah, encore, on peut classer nos élèves par nom, par artisterie, etc. Pour l'instant, ce sera par nom, c'est très bien. Bon, pour l'instant, il est inactif. Est-ce que je peux le mettre sur physique 2? Ouais, ça pourrait être pas mal. Il y a encore de l'endurance. Faire ça, je crois. Ça me coûtait 500, en vrai, c'est bon, il m'a rapporté bien plus. Donc ça devrait le faire. Là, je vais pouvoir lui mettre en taille double. Ça peut servir. Et on va le laisser un petit peu faire. Alors, je vais avoir 7 en entretien et 22 en frais qui rentrent, donc ça, c'est bon. Bien.
contre, la recherche... Je crois qu'il me faut un labo. Bah ouais, c'est ça. Tant que j'aurai pas de labo, j'aurai pas de recherche. Bon, ça devrait le faire. On va construire le labo. Sinon, ça n'avancera pas. Il y a un moment où j'ai plus le choix, quoi. Il faut dépenser un peu d'argent. Parce que là, sinon, je vois que la recherche, elle avance pas du tout, donc... C'est pas ok, quoi. C'est pas ok. Donc ça, c'est bon. Bon, on est pas mal. Écoutez, là, le mois suivant, je vois que j'ai 22 qui arrivent et 19 en entretien, donc je suis encore très bien. Bon, on va partir sur les plaines. Accepter la quête. Et on est parti. Pour l'instant, il a encore de l'endurance, donc on va en profiter. Et on y retourne. Alors, quels sont les objectifs ce coup-ci? Juste explorer? Ah ouais, j'explore juste. Ok. Cool. A l'air d'avoir des monstres un petit peu vénères là, non? On va faire attention. On va être prudent. Paf! Lui, c'est bon. Oh, 415, j'inflige maintenant. Il me fait un critical. On va se calmer. Paf! On va essayer de gagner un peu de thunes. Il en faut. Il nous en faut toujours plus. Et je pense que là, on va commencer à être pas trop mal en vrai. Attention à l'excès de confiance quand même. Ok. J'ai obtenu stratégie 1. Donc ça c'est cool. Lui j'ai envie de me le friter mais j'ai peur. Mais je vais y aller quand même. Ça doit être un boss non? Ouh ils sont 3 en fait. C'est pas un boss mais ils sont 3. Ah si c'est un petit peu un boss quand même. C'est chaud, hein. Ah, je vais pas y arriver, je pense. Il y a un Piu Omega qui a l'air très très énervé. Au pire, je fuis, hein, c'est pas très grave. Ouais, 200, hein. Et il attaque à 200, le machin. Il est énervé, hein. Il est très très énervé, le pépère. Ah ouais, c'est mort. C'est mort, je vais mourir. Aïe. Oui, je me le fais. Ah ! Je fuis direct. Ah, c'est mort, le Piu Omega, c'est pas pour tout de suite. Si j'avais plusieurs élèves encore, je pourrais. Mais là, c'est ultra mort. Donc le Piu Omega, ce sera pour plus tard. Au moins, on a testé. Hein. On a vu un petit peu ce qu'il en était. Casse les caisses. Lui, j'ai bien envie de me le tenter, mais... J'ai un peu peur. Bon, on va voir. Ah, c'est du 721 quand même, c'est pas mal. Hein. Ça a l'air un petit peu énervé aussi, ces petites bestioles. 110, ouais. Ça attaque quand même fort. Après, c'est prenable s'ils sont seuls. Ça le sera un peu moins s'il l'est pas. Ok. Ah, parce que tout à l'heure j'ai vu un coffre quand même. J'aimerais bien aller me le choper. Hop. Oh là 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 là, je me fais attaquer. Ah là là. Oh, ça sent mauvais cette histoire. Ah, ça sent la fuite, hein. Moi je vous le dis, ça sent la fuite. Non, ça a pas pris. Ah ouais, là je suis mort. C'est la fuite, hein. C'est la grosse fuite. Je vous le dis franchement. Bon, il me reste qu'une plume, donc au crâne fait pas le fou. En même temps, les monstres, ils sont assez vénères. Hein.
En fait, ce qui était bien sur le premier, c'est que comme c'était en mode action RPG, si tu te débrouillais bien avec tes esquives et tout, tu pouvais encore gruger, même si t'avais pas trop le niveau, d'arriver à choper certains ennemis tranquillou, quoi. On va aller attaquer un bonhomme bleu. Ah ouais, ils sont trois. Ah, c'est des pioux géants. D'accord. Un peu énervé, ces trucs-là. Hein. D'accord. Je vais mourir. C'est tellement mort pour moi, là. Je suis mort. S'il y en a un qui me fait un critique, je suis mort. Je vous le dis direct. Bon bah la fuite, hein, encore. Oh j'aime pas, ça m'énerve. C'est frustrant, il va me falloir d'autres élèves là, hein, parce que je vais pas tenir longtemps comme ça. On va aller se faire les petits pioux en attendant. J'ai pas trop le choix. À l'heure actuelle, là, je n'ai pas le choix. Pour l'instant, je peux me faire que les petits. Après, c'est bien, hein, ça rapporte quand même quelque chose, mais... Ok. Oh, il a loupé, mais sérieusement. Mais sérieux, quoi? Et Rodno, je vais te virer de l'académie, hein, si tu continues. C'est pas possible, ça. Bon, après, si je te vire, j'ai plus d'élèves. Donc, je vais pas te virer tout de suite, mais quand même, fais un effort, quoi. C'est juste parce que j'ai besoin de tes frais de scolarité, hein. Sinon, je serais déjà plus là. Je m'énerve. Ok. Bon, il me reste une moitié de vie. Je peux peut-être encore aller bricoler un truc avec un piou. Bon, ils sont deux, ça doit le faire. Voilà. Oh, ça va le faire. Ça va le faire. Et il me faut vraiment d'autres élèves spécialisés magie et tout là, parce que seul on est vite limité, quoi. Je sais pas si c'est à chaque saison du coup qu'il y a des nouveaux élèves, parce que dans le premier il me semblait pas que c'était comme ça. Après peut-être que je confonds, hein, mais... Allez, on retourne à la maison. Ok, 3020 en or, bon c'est bien. Bon là il est fatigué, on va le laisser se reposer pour le coup. Ah, soldat de fortune. Quelle histoire du coup. Magister, j'imagine que vous avez déjà fait connaissance de Rodno, c'est notre premier et unique élève pour l'instant. Je crois que vous avez vu de quoi il est capable. Je vous escorterai avec plaisir partout où vous irez. Et oubliez ce que j'ai dit quand je parlais de sécher les cours. Est-ce que vous vous plaisez à l'académie? Cet endroit est formidable, mais j'espère voir d'autres élèves avant que je décroche mon diplôme. Cela étant dit, j'ai fait venir Rodno pour qu'il arrête de perdre son temps comme mercenaire. Avec la bonne éducation, il deviendra un fier héros de Valtiria. Un élève qui a déjà de l'expérience sur le terrain, impressionnant. Je savais que vous aimeriez ça, Magister. Ce n'est pas grave, mais garde ça pour toi au moins jusqu'à ton diplôme, d'accord? Il ne faudrait pas que ta bourse d'études soit annulée. Oui, ça ne serait pas l'idéal. D'accord. Un élève se repose, oui, ce qui est normal. Pas de problème, il a bien travaillé. Bon, vous avez vu, pour l'instant, on a quand même vachement récupéré, en fait. On a quand même vachement récupéré de pognon. Donc on est plutôt ok pour le moment. Dans la partie gestion, en tout cas, on est bon. Après, lui, il se repose, hein, il est pas au top. Hein. Alors, on peut retourner sur les plaines, mais
Parce que là, je passe le mois, ça ne sert à rien de faire plus. Ah ouais, il est en repos. Bah ouais, je peux pas. Donc, faut que j'attende. Comment ça se passe quand c'est comme ça? Va falloir que j'attende, peut-être. Je ne sais pas. Est-ce qu'il a de nouvelles compétences? Non. Recherche, bâtiment, dortoir. Ouais. Bon, ça, il va falloir, hein, dès que possible, construire l'arène, la serre, etc. Bon, pour l'instant, on fera 100, mais... Là, j'ai pas d'autres élèves, quoi. Ah oui, il y avait les succès. Parce que je pense que j'ai débloqué un truc... Je vais faire tout obtenir, voilà. C'est bon. J'ai encore un peu d'argent. Parce que là, je voudrais passer au mois suivant. Ah bah oui, je peux le faire sans... Ok. Ok, donc là, il s'est bien reposé. On est bon. Nous entrons dans une nouvelle année, Magister. Nous avons recruté de nouveaux élèves. Ah, Ilianka et Elias. Allez les découvrir en détail dans le menu élèves. Ok. Alors ça, par contre, c'est dommage. C'est dommage parce que dans le premier, je pouvais les nommer moi-même, en fait. Et je me rappelle, j'avais donné des noms absolument improbables. On pouvait donner un nom et prénom. Et c'était trop bien. Et là, bah, je peux pas faire de jeu de mots parce que, comme vous le voyez, en fait, c'est déjà nommé. C'est dommage. Comme ils sont nouveaux, vous devriez les assigner à des cours comme vous l'avez fait avec Rodno. Très bien. Alors, où sont-ils? Ah, c'est dommage qu'on puisse plus... Ah, c'est vraiment dommage. Changer de compétence. Bénédiction interdite, cool. Donc lui, il est clair. Mais oui, c'est clair. Ah, j'ai terminé. Réduit les coûts de recherche en or. Parfait. Donc maintenant que j'ai fait ça... Attendez. Recherche, bâtiment, dortoir. Ça me coûte 4500. C'est mieux. Par contre, ça me coûte 200. Oh, mon Dieu. Il va falloir, hein. J'ai pas trop le choix. Donc on va le faire, mais... On s'en fait un peu chier quand même, hein. Alors, là, pluie acide. Donc lui, c'est un mage, visiblement. Ouais, c'est un mage. Très bien. Donc comme c'est un mage, on va devoir mettre une arène magique à un moment. Il va falloir, j'ai pas trop le choix. Moi, je peux en plus. Allez, let's go. Voilà, j'ai 26 en entretien et 66 en frais. Qui rentre dans notre poche, donc c'est très bien. L'arène magique est bien là. Du coup, planning. Hop, assigner un cours. Divin. Soin de groupe, ah parfait, ah oui, ça il me le faut. Ah, vous me coûtez cher les élèves là. Lui c'est en magie, évidemment. 500 également. Hop. Voilà. Bon. Ça commence à prendre forme, cette petite académie. Activer la recherche dortoir 1, bah c'est fait, hein, les gars. Consulter les détails sur Ilianka, consulter les détails sur Elias. Alors, comment je fais ? C'est pas ça, à mon avis. C'est pas ça du tout. Ok. Alors, comment je fais pour consulter les détails? Ah.
Assignez Ilianka au cours d'entraînement. Construisez une serre. Assignez Elias au cours d'entraînement. Ah, c'est fait en fait. J'étais trop vite pour le jeu ou... Ok, donc là ça étudie. On est bon. Rodno il se repose un petit peu. On va faire les plaines. Et vous voyez, je peux refaire les quêtes que j'avais déjà faites. Trouver les provisions laissées sur le chemin. Ça, ça peut le faire. Ramasser des pommes. Bon, on va faire celle-ci. Et ici, on va mettre Elias et Ilianka. Voilà. Mais c'est dommage qu'on puisse plus les nommer nous-mêmes. Ça, par contre, petite déception, je vous avoue. Il est encore en repos, lui ? Mais il est en repos pendant combien d'années ? Il y a de l'endurance, c'est bon. Arrête le repos, mon pépère. Il a pas récupéré assez encore là. Bon bah moi suivant alors, hein, sans faire de combat. Ok. Donc lui il a récupéré là, normalement on est bon. Ah, histoire. Chien errant. Oh, c'est vous, Magister, je suis surpris de vous voir ici. J'avais juste besoin d'un peu d'air frais. Alors vous êtes au bon endroit. Peu de gens viennent jusqu'ici. C'est l'endroit que je préfère pour m'entraîner, surtout parce que je suis toujours le seul élève de l'école. C'est pas vrai. Je ne dirais pas que c'était difficile. C'est l'endroit le plus confortable où j'ai jamais vécu. Mais je me sentais seul, c'est vrai. Ah, je vais pas me plaindre. Sir Liavon a dû se battre pour que je puisse entrer ici. Je dois lui montrer que ce n'était pas en vain. Comment avez-vous rencontré Liavon ? Je l'ai rencontré pendant mes contrats mercenaires il y a quelques années. Il a été impressionné par mes talents. Plus tard, il a découvert quel âge j'avais réellement et il m'a forcé à venir ici. On peut dire qu'il m'a sorti de la rue. Vous savez, à l'époque, j'étais comme un chien errant. Il m'a offert une bourse d'études et a fait en sorte que mon père et ma mère touchent une aide financière. Depuis, ma vie s'est améliorée. Je n'ai plus à m'inquiéter de la santé et la sécurité de mes parents. Et on a toujours quelque chose à manger maintenant. J'irai jusqu'au bout du monde pour lui. Il a complètement changé ma vie. C'est bien. Bon. Du coup, cours. C'est dommage que je puisse pas voir. Ah si, ça y est. Au cours d'entraînement magique 1, je l'ai fait. Hein. Entraînement divin 1, je l'ai fait ça. Attendez, je dis pas de bêtises quand même. Ah ouais, entraînement magique 1. Il a pas fini peut-être. Étude, ouais. Okay. Bon bah écoutez, on va faire. Celle-ci, trouver les provisions. Il est toujours en repos, lui, c'est une blague ou quoi ? Il énerve, lui, d'être toujours en repos. Il y a un problème, là. Il y a un problème ! C'est pas possible, il est toujours en repos. Il est reposé, là, il a 60. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Qu'est-ce que c'est cette connerie ? Ah oui, d'accord, ok. Très bien. Là, choisir une quête. Et normalement, là, maintenant, je peux y aller. Let's go, voilà. Eh ben, fallait le voir, hein, quand même. Fallait le voir. On va faire ça, on va faire cette petite quête-là. Puis après, on va se laisser là-dessus, parce que je pense que vous avez plus ou moins compris à quoi vous aviez affaire. Après, voilà, il y a plein de petites originalités, il y a des mini-jeux, etc. Mais c'est un peu plus tard. Malheureusement, on pourra pas voir ça dans la découverte. Mais en vrai, c'est très cool. Alors là, on va briser. Paf. Tac. Là, on est bon. On va s'en faire quelques-uns. Histoire de... Tac. 1 2 Ouf. D'accord. Ici, on fait une attaque comme ça et après ce sera Ilianka qui va attaquer. Donc Ilianka.
Attaque. Voilà, défense cassée. Du coup, après, je peux reprendre Rodno et lui mettre le coup fatal. Ça va aller beaucoup mieux d'un seul coup, hein. Ça va être autre chose. Ça va devenir beaucoup plus simple, et tant mieux. J'ai enfin des élèves, comme il faut. Paf. Et j'ai tapé, hein. Oh, j'avais tapé, hein. Un peu d'aigle. Ok. Un. Deux. On va prendre deux coups, forcément. Trois. Tac. Maintenant, Ilyanka attaque ici. Hop là. Oh, pas ouf. Pas ouf la magie, hein. Pas ouf la magie. Alors, vous avez trouvé une caisse de provisions. Très bien, encore une. On va s'en faire un max, hein, comme ça on récupère du pognon, on récupère tout ce qu'il faut. Et ça devient très important. C'est le nerf de la guerre, j'ai envie de dire. Cette académie. Paf. Paf. Alors, prochain, ce sera Ilyanka. Bon, là, j'ai bien compris le système, pas de problème, hein, ça roule tout seul. Voilà, allez hop. On va tous se les faire. J'en lâche pas un seul. Ok. Tac. Défense brisée. Et on continue sur le deuxième Pew. Bon, par contre, là, il y a une victime. Hein. Très clairement. Il y en a un qui se fait victimiser dans notre groupe, hein, malheureusement. Allez, on continue. Alors, soigne l'équipe. On va faire ça, hein. Oui, nickel, ça, par contre. Qu'est-ce que c'est pratique. Là, on est bien. Là, on est sur quelque chose de solide, là. Évidemment, les ennemis focus sur le soigneur, hein, toujours. Donc, on termine cette petite quête-là, et puis on se quittera là-dessus pour cette vidéo. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a fait découvrir un bon petit jeu, parce que franchement, bah, il mérite, très très cool, aussi cool que le premier, donc je suis vraiment content, très très heureux de ça. Allez, hop, ça dégage. Oh non, il a raté. Quel boulet, Rodno. Tu recommences, Rodno. Pas fier de toi, Rodno. Et voilà, forcément. Nickel. Nickel. On va se faire celui-là. Là, bon, on va récupérer quand même pas mal de blé, là. Forcément, ils attaquent toujours le même. Tac. Bon, là, on est bien.
du coup, maintenant, ces gros pépères-là, je pense qu'on peut se les faire. Hein. Ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà. Là, je lui brise sa défense. Du coup, je peux rattaquer derrière. Et voilà. Ah oui, ça roule tout seul maintenant. Ça roule tout seul. Puis en plus, ça rapporte pas mal de pognon. Donc ça, c'est cool. Alors, est-ce que j'ai eu le temps de le shooter? Non. Ah si, c'est bon. Ok, tac. On brise la défense. On rattaque derrière. Et on rattaque. Et voilà. Et ça roule. C'est une histoire qui roule toute seule maintenant. Il me fallait juste d'autres élèves. Marché 1 augmente 70% de la quantité d'or produite par le marché. Oh oui. Oh ça c'est bon ça. Tellement bon. Oh, j'ai pas eu le temps de le shooter lui. Hein. Ah oui, puis ils sont 3 là. Waouh, 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 waouh. Ah, ça va pas être le même jeu, hein. Je vous le dis tout de suite. Je vais taper les 3 d'un coup, là. Voilà. Je vais refaire ça. Ok. Comme ça, je vais pouvoir briser. Oh. Ah, oh non. Ça, ça tente un petit peu la merde, quand même. C'est un petit peu la merde. On va pas se le cacher. Voilà. Oh non, mais le loop! Rodno! Toujours Rodno, toujours le même. C'est pas possible, Rodno. Tu m'énerves, Rodno, vraiment. Je sais pas comment il fait son compte, lui, mais... Il est incroyable de médiocrité. Ah, c'est agaçant, bon sang. Ah, il est étourdi. Ok. Comment je fais alors? Oh. Oh oh. Là, on est mal là. Oh, ça va aller. Ça devrait le faire. Ouf. Un peu just, mais c'est ok. Vraiment même beaucoup, beaucoup just. On va essayer celui-là, mais je le sens mal. Ok. Ah, je suis peut-être... C'est peut-être la gourmandise. C'est peut-être une gourmandise. Mais, peut-être moyen, hein. Ouais, c'est bon, ça passe. Bon, très bien. Ah, il y a encore une caisse de provisions ici, et puis on est bon. Voilà. Et on peut donc revenir à l'académie. Oui, quête terminée. Voilà, les amis. Et ben, ce fut une longue vidéo, hein, mais en même temps, comme c'est un jeu de gestion, on n'a pas trop le choix de faire des longues vidéos là-dessus. Sinon, vous ne voyez rien du jeu, tout simplement. Donc voilà. Allez, hop. Parfait. Nouvelle compétence, fonderie. C'est bien. C'est très bien. Ah, histoire. Arrangement pédagogique. Magister, je voulais vous présenter la nouvelle enseignante d'artisterie de l'académie. Enchanté de faire votre connaissance, je m'appelle Véline. Spécialiste en artisterie et apparemment l'unique membre de votre corps enseignant. Je me réjouis à l'avance des grandes choses que nous allons accomplir à l'académie. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Je vais faire en sorte que notre académie ait le meilleur cursus d'artisterie de tout Valtiria. Mais, comme je le disais tout à l'heure, je suis la seule enseignante ici. Les quatre nations n'ont voulu donner à cette nouvelle académie que le strict nécessaire. Bien, comme je n'ai pas à m'occuper d'autres magisters, j'ai décidé d'aider à enseigner en attendant. En tout cas, jusqu'à ce que l'on trouve d'autres professeurs pour remplir les postes vacants, magister. Que pouvez-vous enseigner? Tout ce que Véline ne fait pas déjà, ce qui veut dire tout sauf l'artisterie. Dit comme ça, on pourrait croire que je mérite une augmentation. Mais il est vrai que j'aime tout un tas de matières. C'est pour cela que je vais être remplaçant ici jusqu'à nouvel ordre. Continuez l'excellent travail que vous faites, magister. Nous sommes là pour vous aider. Parfait. On a des profs. On est pas mal. On est pas mal. Hop. Et voilà, level up pour le dortoir.
très bien. Hop. Donc vous voyez, voilà, vous allez pouvoir augmenter un petit peu tout ça. Le gymnase, si je veux, je peux le faire aussi. Bon, là, pour l'instant, on va éviter. L'atelier, c'est pareil, on va éviter. On n'a pas assez d'argent pour se mettre là-dedans. Mais vous avez compris un petit peu ce qu'il en était. Après, plus tard, il y a des mini-jeux, etc. Ça va être vraiment très, très cool. Donc dites-moi hein, si ça vous a plu en commentaire, si ce type de jeu vous intéresse. Si ça vous intéresse, je vous en ferai un petit peu plus souvent. Mais en tout cas, moi, je trouve ça vraiment très, très cool. Je vous dis donc à tout bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, c'était Ocrade. Et comme d'habitude, vivez à fond votre passion de gamer. Ciao les amis, et à la prochaine. Peace.